Salut, je m'appelle Élise, j'habite à Caen, j'ai créé Passenger Shop il y a un peu plus de 2 ans. Passenger Shop, c'est une marque de vêtements éco-responsables basée sur le recyclage. Le principe est très simple, en fait je récupère des vêtements de seconde main et je les customise, principalement avec de la peinture, pour leur offrir une nouvelle vie. J'ai commencé par un lycée art appliqué, ensuite j'ai fait 4 ans en école de mode, donc j'ai un diplôme de styliste modéliste niveau 2. Et sinon pour le dessin, je dessine depuis toujours, c'est un peu en autodidacte. L'inspiration peut venir de n'importe où, ça peut venir d'un film que j'ai vu, d'une image, paroles de chanson, d'une poésie. Souvent c'est lié à la nature, aux animaux, aux fleurs, à une expression de visage, quelque chose qui me parle. Dès que j'ai une idée, je la note dans mon carnet, je fais un croquis rapide et ensuite il suffit que je trouve la bonne pièce, le bon croquis et c'est parti. En général, c'est souvent lié à la nature, ça évoque le cycle de la vie, c'est souvent une ode à la nature. Faire un peu attention à la nature qu'il y a autour de nous. Il y a souvent plusieurs interprétations possibles dans mes dessins. J'aime bien que chacun puisse y voir ce qu'il veut, que chacun puisse trouver sa propre signification. Je les trouve principalement en friperie, ou dans les vide dressing sur internet, ou sinon parfois ça peut être des dons aussi. Des gens qui me donnent des vêtements quand ils ont fait un tri dans leur placard. Oui, absolument. Il suffit de me contacter via mon site internet ou Instagram. Vous m'envoyez la pièce et puis je la customise. Évidemment, les frais de port que vous allez payer, je les déduirai du prix. Pour l'instant, je les vends uniquement sur internet, donc sur mon site web, passengershop.net. Ça peut arriver que je les vende à certaines occasions, dans des festivals, dans des pop-up stores, mais pour l'instant, c'est uniquement sur internet. Oui, ça me ferait très plaisir. C'est d'ailleurs un de mes projets, soit dans des friperies, des boutiques vintage, des pop-up stores, des tattoo shops aussi, ce serait cool. J'attends vos propositions. Coopératif.